Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Face à Face. Nous sommes ravis de vous retrouver avec nos deux invités, Maître Jean-Bernard Padaré, le porte-parole du mouvement patriotique du salut, et Monsieur Béral Bekoutou, conseiller national au Conseil national de transition. Il sera question aujourd'hui du nouveau projet de constitution adopté depuis le 27 juin par les conseillers nationaux. Et la question de la forme de l'État divise toujours la classe politique tchadienne. Béral Bekoutou, bonjour et bienvenue sur le plateau de la télévision Tchad Info. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation. Padaré, bonjour et soyez la bienvenue sur le plateau de la télévision Tchad Info. Bonjour à vous et à vos téléspectateurs. Alors, Maître Jean-Bernard Padaré, après l'adoption du projet de la nouvelle constitution, quels sont vos sentiments aujourd'hui? Merci. Écoutez, nous avons toujours soutenu la marche qui était indiscutablement entamée vers le retour à l'ordre constitutionnel. Et au sortir autant pour moi du dialogue national inclusif souverain, des résolutions ont été adoptées. Ces résolutions sont en train d'être mises en œuvre par le gouvernement d'union nationale. La rédaction d'un projet de texte constitutionnel faisait partie donc de ces résolutions. Nous nous réjouissons que le travail qui avait été mâché par le comité constitutionnel ait été adopté en conseil des ministres, transmis aux conseillers nationaux. Les conseillers nationaux, après âpre débat, je pense que l'un des intervenants est face à moi, je vais parler du conseiller Béral Bekoutou, eh bien, il y a eu, je crois, 48 heures de débat. Les gens se sont exprimés. Et in fine, la loi constitutionnelle a été adoptée. Il reste simplement à ce que ce texte soit transmis au EGG et que la CONOREC nous livre son agenda pour aboutir à son adoption par voie référendaire le 19 novembre, comme cela nous a été indiqué. Donc nous nous réjouissons de cette adoption après un débat riche et varié. D'accord. Monsieur Béral Bekoutou, vous, non seulement que vous avez qualifié ce texte d'un texte frelaté, mais vous êtes resté à la maison le jour du vote. Dites-moi pourquoi. Oui, je vous dis les raisons tout de suite. C'est un texte frelaté pour une raison simple. Tout le monde présente le dialogue national inclusif à qui le chef de l'État actuel avait conféré la souveraineté. Ce dialogue-là a été présenté comme la matrice de tous les textes et de toutes les institutions qui vont mener la transition jusqu'à son issue, à savoir l'organisation des différents scrutins populaires au cours desquels les peuples doivent choisir, premièrement, les textes qui doivent les régir et, en second lieu, les hommes et les femmes qui vont mener leur destin pendant les prochains mandats à l'occasion du retour à l'ordre constitutionnel. Une des résolutions les plus importantes de ce dialogue à qui on a conféré la souveraineté était de se prononcer sur la forme de l'État que souhaiterait le peuple tchadien. Par des subterfuges honteux, j'insiste sur le mot honteux, le gouvernement est en train d'avancer en marche forcée en éludant la question de la forme de l'État et en présentant un texte qui nous met devant le fait accompli d'un État unitaire décentralisé. J'ai traité ce texte de frelaté et de scélérat parce qu'il enjambe de manière allègre, la résolution la plus importante du dialogue national inclusif. Quelle est cette résolution? Cette résolution, c'est celle de consulter le peuple tchadien sur la forme
administrative de l'État qu'il souhaite pour le Tchad. Personne ne consulte le peuple là-dessus. Et aujourd'hui, l'on nous impose au forceps. Et c'est en cela que ce texte constitue une trahison vis-à-vis de notre peuple et vis-à-vis de celles et ceux qui ont accepté de participer au dialogue, au risque de donner raison aux autres qui ont boudé le dialogue. On ne peut pas prétendre se prononcer sur la forme de l'État et ne proposer qu'une et une seule constitution de maître Badaré. Vous êtes d'accord avec moi que... S'il vous plaît, conseiller Bérald, oui. Maître Badaré, non seulement qu'il qualifie ce texte de frélaté, mais il dit que c'est une autre trahison. Est-ce que vous êtes d'accord avec le conseiller Bérald? Bien évidemment. Mais qui a aussi participé au dialogue national inclusif. Bien évidemment, vous l'imaginez bien, je ne peux pas être d'accord avec le choix de mots. Vous savez, le conseiller Bérald est un passionné, et je le respecte dans ses idées. Mais je suis surpris qu'il traite ce texte de frelaté. Bref, moi, ce qui est important, c'est que est-ce que le peuple tchadien sera consulté, oui ou non? La réponse est oui. Consulter, c'est une chose. Monsieur non, le conseiller. Le conseiller, je comprends bien, je l'entends bien. Vous défendez la thèse fédéraliste. Oui. Vous êtes fédéraliste. Est-ce que l'âme, oui. C'est votre droit le plus absolu. Est-ce que les fédéralistes sont des pestiférés dans pas ce du pays? Tout, pas du tout. Alors, pourquoi esquive-t-on la question fédérale? Souffrez que je dise un mot. Je pense que dans le comité de rédaction de projets de loi constitutionnelle, il y avait des fédéralistes. Des fédéralistes, eux aussi frelatés, comme le texte, peut-être. Ah, mais finalement, tout le monde est frelaté, sauf vous, alors. Non, pas bon. Sauf moi. Alors qui? Vous n'avez pas laissé le choix aux fédéralistes de désigner le représentant. Nos fédéralistes. Ça, c'est une excellente question. Lorsque alors, vous demandez quelle est notre proposition, oui. Là également, voilà une question qui m'offre l'occasion de mettre le doigt sur l'avancée en marche forcée du gouvernement et de ses complices au Conseil national de transition. Nous, les fédéralistes, avons introduit en bonne et due forme, tel que les lois nous le permettent, une proposition de constitution fédérale dans les délais que nous prescrivent les textes de ce pays, afin que cela fasse office de mandat, d'amendement. Personnellement, j'ai introduit, même pour la même constitution qui est unitariste, j'ai introduit 3 amendements dont on n'a pas fait mention lors des débats au Conseil national de transition. Mais nous, les fédéralistes, avons introduit toute une constitution fédérale contre le projet du gouvernement de la constitution unitariste. Si vous vous souvenez des débats qui ont eu lieu au sein du Conseil national de transition, personne n'a fait mention de la proposition de constitution que nous avons faite. Si nous sommes dans une démocratie et que les gens veulent discuter en face de manière honnête et sincère, quand bien même notre proposition serait rejetée, au moins que l'on en fasse mention. Oui, mais il n'en a même pas été fait mention. Oui, ce qui signifie que la malhonnêteté et la mauvaise foi sont les seuls carburants de cette constitution qui était d'accord, en train d'être d'accord. Mise en route. Oui. Et malheureusement... Conseiller Bérald, oui. On est parti sur la base du dialogue national inclusif. Oui. Maître Jean-Bernard Padaré, est-ce que c'est la procédure qui a été préconisée lors du dialogue national inclusif pour passer de cette manière-là? Écoutez, je pense qu'il faut que le conseiller Bérald souffre que j'en place un quand même. Pour permettre à nos téléspectateurs d'avoir une bonne lecture de nos opinions. Et je sais qu'il adore le principe du contradictoire comme moi, donc je l'ai suivi religieusement. Je souhaiterais qu'il en fasse autant. Cela dit, je pense que le Conseil Bérald et moi étions tous au dialogue national inclusif. Ce qui a sous-tendu, ce qui devait sous-tendre le projet de constitution à adopter était la constitution de 96.
n'y a eu aucun débat autour. Par inspiration. Pour inspirer. Inspiration. Mais est-ce que le dialogue s'il vous plaît, national... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Maître, vous êtes d'accord avec moi? S'il vous plaît, conseiller Béral. Non, je voulais juste... Vous n'avez pas la parole. Non, juste une parenthèse. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Pour inspiration, je voulais juste rappeler à Maître Badaré... Mais est-ce qu'il peut aller au bout de ses idées? Oui, oui, bien sûr. Je voulais juste rappeler qu'on avait dit qu'on allait s'inspirer... Très bien. De la Constitution de 96. S'inspirer. Très bien. Parce que cette histoire de la Constitution de 96 a été utilisée comme argutie par le gouvernement pour nous servir ce qui est en train de fait, alors, être fait maintenant, d'accord. qui est une escroquerie politique. Bon. On a dit alors, inspirer. Alors, je souligne ce mot. Inspirer. On devait s'inspirer. 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 Que nous dit la Constitution de 96? La Constitution de 96 avait proposé à peu près 3 ou 4 niveaux de décentralisation. Il y avait des choses qui étaient prévues, qui étaient irréalisables. Donc on devait s'inspirer en faisant quoi? En corrigeant l'état de la Constitution de 96 pour adapter la nouvelle loi aux réalités. Mais est-ce que c'est la base du dialogue, réalité. Des recommandations du dialogue? Non, réalité. Attendez, attendez. Parce qu'il faut qu'on restitue les choses dans leur contexte. Le gouvernement, donc quand on avait clôturé le dialogue, effectivement, il était question de consulter le peuple sur une constitution qui s'inspirera de la constitution de 96. Il y en a qui sont sortis, comme, attendez, comme oui, Béral, oui, et sur la forme de l'État. Oui. Il y en a qui sont sortis, qui sont comme le groupe de Béral et d'autres, hein, il y en a beaucoup, qui se sont dit ben, il y aura 2 constitutions, et bien on va les soumettre à la nation. Est-ce que vous êtes pour la constitution fédéraliste, fédérale, ou bien pour l'État fédéral, ou pour l'État unitaire? Mais ça se fait dans quel pays? 2 constitutions à soumettre. Quand on soumet un projet de texte constitutionnel au référendum, là, c'est par un oui ou un non. Ça, vous le savez très bien. Vous qui avez vécu en France, et vous avez certainement suivi les différentes réformes, les différents référendums, différentes réformes. Des lois constitutionnelles de la Constitution française. Mais qu'à cela ne tienne. Moi, quand M. Béral me dit que nous avons soumis un projet de loi, de texte constitutionnel, j'imagine, je suppose que c'est au CNT, mais j'ai entendu le président Kabadi leur répondre, parce que moi, je suivais ça, je n'étais pas au Tchad, j'étais en voyage, en mission, je suivais ça, il leur a répondu qu'il a reçu ça la veille. Non. Qu'à cela ne tienne. En fait, la procédure... que vous auriez dû... Attendez. Soit il l'a jamais dit, soit s'il l'a dit, c'est un mensonge. Attendez. Moi, je pense que la procédure que vous auriez dû utiliser, c'était puisqu'il y a un comité qui avait été mis en place. Oui, le comité scientifique qui a fait le travail. Vous auriez dû envoyer ce projet de texte de constitution fédérale à ce comité. Ou bien saisir... Nous sommes dans une procédure parlementaire. Je vais finir, Béral. Attendez, conseiller Béral, là, quand au bout de ses lorsqu'on transmet un texte aussi important que le projet de texte constitutionnel, je pense qu'on ne peut pas simplement soumettre comme si vous faites une proposition de loi à l'Assemblée. Il faut faire le distinguo. Je pense que Il va falloir relire vos textes. Je n'ai pas besoin de On a le droit. Je dis. On a le droit en tant que parlementaire. Je dis, de proposer toute une constitution. Ça, c'est pas possible. Attendez. Pourquoi? Attendez. À la commission spéciale? Non. La commission. À la commission spéciale. Dans notre cadre. La commission spéciale était mise en place combien de temps? Mais s'il vous plaît. Combien de temps? S'il vous plaît. Vous savez le projet. Je suis désolé. Le projet de loi constitutionnelle qui avait été soumis à l'Assemblée, au Conseil national de transition, avait d'abord été soumis au Premier ministre. Le Premier ministre. Le président de la République a saisi le Conseil. Ça, c'est la part gouvernementale. Attendez. A saisi le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a statué. Et le projet a été transmis au CNT. Le CNT a mis en place
la commission spéciale. Et c'est à ce moment-là qu'eux, ils se réveillent oui. pour c'est transmettre. Ce n'est pas qu'on se réveille, c'est tout à fait légal. Ils se réveillent. C'est tout à fait légal. Si cela est, tout à fait si légal. Cela est faisable avec les lois ordinaires, si cela, non, est, si cela est possible. C'est valable pour les lois organiques. Je dis, c'est les lois valable pour les lois organiques. Mais ce n'est pas valable pour les lois constitutionnelles. Je suis désolé. Si, 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 et pour une raison simple. Conseiller Béral, aujourd'hui nous avons un gouvernement d'union nationale où on a vu des opposants qui sont aujourd'hui membres du gouvernement. Et il y a une commission spéciale pour la rédaction du projet de la nouvelle constitution. Oui. Pourquoi vous n'avez pas été membre? C'est pas nous qui décidons d'être membres ou pas. Ce sont eux qui se cooptent entre eux. Comment? Ils ramassent des copains, une poignée au Conseil national de transition, sous prétexte de ramasser des corporations, alors qu'ils savent très bien que leur sensibilité se trouve dans toutes les corporations, une partie dans le gouvernement, parce qu'ils savent très bien que ce sont les leurs qui sont en majorité dans le gouvernement, et patati et patata. Mais ça, ça m'intéresse absolument pas. Mais non, attendez, parlons d'une chose très simple. Nous sommes dans une logique juridique. Et je le répète encore une fois, je suis au regret de constater que vous sacrifiez vos compétences juridiques sur l'autel de votre appartenance politique. Vous savez très bien que dans le cadre de ce que nous prescrivent les lois, les parlementaires ont le droit de faire des propositions de loi concurremment avec le gouvernement, y compris des modifications constitutionnelles. Y compris. Je vous mets à défi. Oui, un remplacement de constitution est une modification. Non. Au sens juridique. Oui, allez-y. Je vais terminer. Et si ça avait été le cas, si les arguments que vous avancez étaient juridiquement fondés, alors expliquez-moi pourquoi la commission spéciale, ni le président de l'Assemblée nationale n'ont fait mention de notre proposition, quitte à la rejeter, puisqu'ils l'ont fait pour les autres amendements. Très pour bien. Tous les amendements oui, qui ont... Oui, oui, tout, vous, pour tous les amendements... Conseiller pour Béral, tout, je termine. Oui. Mais je n'ai pas terminé, il ne peut pas me répondre si je n'ai pas posé la question. Mais parce que... Pour tous les amendements qui ont été introduits par rapport à au projet de constitution, des réponses ont été apportées. Oui. Sauf mes amendements à moi, d'une part, et d'autre part, la proposition de constitution qui voulait carrément remplacer le projet du gouvernement. Si cette approche qui est la vôtre était juridiquement fondée, pourquoi n'a-t-on même pas fait mention de cette proposition de constitution, ne serait-ce que pour nous ridiculiser? Pourquoi vous ne le faites pas? Nous avons compris la question. Pourquoi vous ne le faites pas? Non, il y a de... Conseiller, s'il vous plaît. Très sincèrement. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Nous parlons du destin d'un pays. Et l'ancienne majorité est en train de s'amuser avec la vie des Tchadiens. Ah bon, vous vous amusez avec le destin de ce pays. Vous êtes d'accord avec lui, et faites très attention. On ne peut pas tourner le destin de ce pays en folklore. Monsieur Béral, je suis désolé de vous dire ça. Monsieur Béral, vous n'aimez pas le Tchad plus que d'autres Tchadiens? Non, non, pas du tout. Oui, on l'aime autant, mais on l'aime de différentes façons. Voilà, alors dans ce que je veux vous dire, monsieur Béral. Vous l'aimez par le pétrole, moi je l'aime par les humains. Oui. Moi je l'aime par les humains. Non, c'est vous qui l'aimez plutôt par les injures. Je pense alors pas. Donc non. C'est peut-être ça, oui. Oui, allez-y, mettez pas d'arrêt. Donc, non, soyons un peu sérieux, Béral. Vous avez été député. Oui. Vous avez fabriqué des lois. Et vous savez très bien ce que vous êtes en train de dire là. C'est pas vrai. Vous ne pouvez pas proposer un texte constitutionnel pour remplacer un projet de constitution. Non. Vous pouvez. Concurrence. Mais ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas me dire. Mais non, mais il faut pas. Il faut pas. Non, vous ne pouvez pas et vous le savez. Vous n'avez pas. Vous avez. Vous savez que c'est possible. Mais non, vous avez le pouvoir. Pourquoi on a fait silence? Je dis. Mais pourquoi la commission? Non. Ne cherchons pas le populisme. Non, je ne cherche pas le populisme. Si. Je parle en disant non, mais s'il vous plaît, vous êtes un
bon cadre, un bon prof de philo, bon philosophe. Mais je pense que, toute proportion gardée, essayons d'avoir une lecture sereine et objective des choses. Je ne sacrifie rien de ce que j'ai pu apprendre à l'école de Témis. Je dis simplement, il faut qu'on applique les textes. Et si la commission spéciale qui a été mise en place, la commission spéciale, quelle est sa mission? Vous qui êtes parlementaire, vous le savez mieux que moi. Sa mission de faire quoi? D'étudier tous les textes qui soient introduits comme amendements, quitte à les rejeter. Eh bien, oui. Mais ce que vous avez introduit, pourquoi elle a fait de tous les amendements? Attendez, ce que vous aviez introduit, ce n'était pas un amendement, c'est carrément un projet, oui, c'est un texte, exactement, qui remplace. Oui, oui, elle avait au moins l'obligation, de même lorsqu'il s'agit d'une poursuite criminelle, on peut au moins dire que c'est classé sans suite. Ok, hein? Conseiller fédéral. Pourquoi on ne mentionne même pas l'introduction de ce texte? Ok, conseiller fédéral. Est-ce que vous pouvez me répondre sur ce... Non, qu'il me réponde sur ce point précis. Non, je peux pourquoi, pas. Pourquoi conseiller, on ne nous dit pas simplement que vraiment notre texte est malvenu? Je vais vous dire, juriste, vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous êtes sollicité, vous êtes obligé de donner une réponse. Ne serait-ce qu'en termes de rejet, ne serait-ce qu'en disant je rejette. Vous pouvez dire ça. Pourquoi ils n'ont pas fait? Je vais lui donner une réponse. Pourquoi le lot n'est pas fait? Même en moins d'une minute. C'est pas que je ne peux pas vous répondre, mais je ne veux pas. Pourquoi? Vous ne voulez pas. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Parce que je ne fais en raison de votre chapelle. Non, pas du tout. Parce que je ne fais pas partie de cette commission spéciale. Non. Et lorsque vous avez demandé une analyse intellectuelle, mais l'analyse simplement, est-ce que cette commission a le droit de ne pas se prononcer sur le texte? Est-ce que vous avez posé la question à la commission? Oui. Surtout que nous avons posé la question à la commission, qui a apporté la même réponse que vous, c'est le silence. Parce que vous répondez par le silence. Le silence est une esquive inadmissible lorsqu'il s'agit de questions publiques. Conseiller Béral, vous devez vous prononcer, oui ou non, s'il vous plaît. Mais il n'y a pas de raison qu'il y ait le silence. Vous avez fait une proposition, n'est-ce pas? Oui. Mais quelles sont les réclamations des fédéralistes aujourd'hui? Les réclamations des fédéralistes, c'est aussi simple que ça. Oui. C'est que l'on puisse consulter le peuple. Nous ne voulons rien imposer. Oui, mais ils veulent qu'on aille au référendum. Oui. C'est une consultation du peuple. Mais sur quoi? Sur la forme de l'État. Ben si. Pourquoi vous esquivez question sur la forme de... Non. Quelles sont vos réclamations en tant que fédéralistes? Quelles sont vos réclamations? Béral, est incapable de me dire. Oui. Il y aura combien d'États fédérés au Tchad? Oui. Vous pensez vraiment que cette question est fondamentale à l'heure où nous parlons? Mais si. Non. Elle est importante. Posons d'abord la question. Elle est importante. Posons d'abord la question au peuple tchadien. Oui. Est-ce qu'il veut une forme fédérale ou pas? Oui. Et si cette forme fédérale arrive? Oui. Ça, c'est une première réponse seulement que je vous donne. Oui. Si le peuple tchadien opte pour la forme fédérale, oui, vous verrez si nous ne sommes pas capables de vous dire combien d'États fédérés il y aura. Ça, c'est la première réponse. Très bien. La deuxième réponse. Je viens de vous dire que nous vous avons soumis une proposition de constitution en bonne et due forme. Oui, quels sont les tout cela se trouve là-dedans. Quels sont les points phares ce projet? Le premier point fondamental, c'est que le Tchad, en raison de son multiculturalisme, en raison de nos différences culturelles, vous vous refusez de connaître ça. Jean-Bernard Padaré, est-ce que vous pensez que le fédéralisme, c'est ouvrir la boîte à l'entrée? Attendez. Quand vous posez une question, laissez-moi répondre avant de passer à la suite. Je suis en train de répondre à votre question. Oui. Vous savez très bien, et mieux que moi-même d'ailleurs, parce que je pense que vous êtes plus expérimenté et bien plus avancé en politique, comme en âge que moi, vous savez très bien que les cultures tchadiennes sont différentes, diversifiées et surtout contradictoires. Ça, vous le savez. Vous savez très bien que nous n'arrivons pas à faire nation pour une raison simple. C'est que les valeurs républicaines et démocratiques ne sont pas en partage dans l'ensemble des cultures. Vous savez très bien qu'il y a des sociétés qui prônent des valeurs qui sont le contraire d'autres sociétés dans notre pays. Vous le savez. Ici, sur ce plateau, vous allez malheureusement, contre votre pensée, dire que vous ne le pensez pas. Mais tout le monde sait que vous savez très bien, de par la hauteur de votre qualité intellectuelle, de par vos expériences,
de par votre conseil, instruction, conseil, vous savez très bien. Le Tchad ne sera jamais une nation. Le Tchad ne sera jamais une nation dans un État unitaire. Parce que nous avons des valeurs contradictoires. Vous le savez très bien. Sur la base des valeurs contradictoires des Tchadiens, est-ce que le fédéralisme équivaut à la division? Non, mais écoutez, moi je pense qu'il devient très difficile de débattre. Non, s'il vous plaît, il devient très difficile de débattre avec Béral parce que c'est un monologue qu'il veut. Non. Soit il m'entraîne dans son jeu et donc on devient inaudible. Soit je l'écoute et après ça ne sera plus un débat. En fait, ce qu'il dit n'engage que sa personne. Et ça ne m'étonne pas parce que, vous savez, il y a des gens qui ont une lecture pessimiste de notre nation. Moi, je pense que la diversité de notre nation fait notre richesse. La diversité culturelle de notre peuple fait notre richesse. Aujourd'hui, dire qu'on ne peut pas avoir une nation parce qu'on est culturellement différent et que sociologiquement, on est, je dis faux. Je dis complètement faux. Vous pensez que la France, les Français, ils étaient comment? Pour constituer la nation française. Il y avait combien de cultures en France? Prenons, puisque on s'est inspiré de la France. Ça, c'est deuxièmement. Dans le cas tchadien, non, mais c'est à écouter ce qu'il dit. Il est logique avec lui-même. Il est fidèle à ses convictions. Quand on se réfère à son livre, pour lui, il y a des gens qui ne peuvent. Il dit, il y a des cultures qui ne sont pas, qui ne peuvent pas s'accommoder d'autres cultures. Mais je dis faux. Je dis complètement. Mais c'est dans leur lecture. Fédérer, c'est diviser. Okay, c'est ce que vous C'est-à-dire qu'il faut diviser le Nord et le Sud. Est-ce que c'est ce que vous mais est-ce que toutes les cultures... est-ce que toutes les cultures du Sud sont compatibles? Alors moi, je serais curieux de savoir quels sont les États qu'ils vont créer dans leur... Moi, j'aimerais bien si... peut-être qu'ils pourraient me convaincre parce qu'en fait, qu'ils m'envoient le projet de constitution qu'ils avaient introduit et que les gens n'auraient pas voulu examiner. Je peux rassurer, en tout cas, sans être membre du gouvernement, mais je suis convaincu que lorsqu'on soumettra ce projet de texte au référendum, il y aura certainement une question qui dira est-ce que vous votez? C'est-à-dire qu'il y aura des explications. Si vous votez pour cette constitution, ça veut dire que vous êtes pour l'État unitaire, mais si vous votez contre, eh bien, vous êtes pour le fédéralisme. C'est aussi simple que ça. Est-ce que, lui, qu'est-ce qu'il aurait? Attendez. Alors, moi, je vais vous dire. C'est comme Maître Padar est en train de dire. Non. Est-ce que fédérer, c'est diviser? Non. Fédérer, c'est diviser. Il n'y a que les unitaristes fanatiques qui disent ça. Oui. Fédérer, ça n'a rien à voir avec diviser. Oui. Lorsque Maître Padar me dit que le Tchad est fort et riche de sa diversité culturelle, c'est exactement ce que nous promouvons. Oui. Nous disons que puisque le Tchad ne peut qu'être riche et fort de sa diversité culturelle, il faut lui donner une forme de l'État qui permette à toutes les cultures d'exister dans leur espace spécifique. Plutôt que de mettre toutes ces cultures vous confondez le culturel au juridique. Forme juridique d'un État, ça n'a rien à voir avec ce que vous invoquez. Non. Mais on peut être dans un État unitaire. Et laisser chaque culture vivre. C'est ce que nous avons vécu. Vous venez vous-même de vous donner tort parce que vous dites c'est ce que nous avons toujours vécu. Oui. Et c'est pour ça que nous avons toujours reculé. On a reculé. Nous n'avançons absolument pas. Oui. Le Tchad n'a jamais avancé. Et c'est dû à sauf dans votre tête à vous. Oui. Dans la réalité, oui. Le Tchad n'a jamais avancé. Pour une raison simple, ouais. Il faut avoir le courage de le dire. Ouais. Il y a des cultures dans notre pays qui ne se conformeront jamais à la démocratie. Lesquelles? Jamais. Lesquelles? Vous les trouverez. Dites-nous. Les Tchadiens sont intéressés. Quelles sont ces cultures-là? Vous les trouverez seuls. Quelles sont ces cultures? Les cultures qui promeuvent le vol.
oui. qui promeuvent des idées comme le crime d'honneur, oui. des gens qui acceptent le prix du sang, oui. etc. S'il vous plaît, vous s'il vous plaît, mettrez les noms dessus quand vous le voudrez, mais moi je vous dis la chose suivante. Je vous dis la chose suivante. Et donc, c'est l'État fédéral qui réglera ça. Oui. Strictement. Mais l'État fédéral va régler ça. Pour une raison simple. Conseiller Béral, s'il vous plaît, je ne passionne rien. Maître Padaré, il n'y a pas de nécessité. Il n'y a aucune nécessité de dépassionner le débat oui. parce que je ne le passionne pas. D'accord. Je vous dis simplement la chose suivante, oui. qui est sincère. Et moi, je parle avec en concordance. Tout ce que je vous dis, c'est ce que je pense au profond de moi. D'accord. Je voudrais un Tchad. Où chaque personne choisirait l'espace qui correspond à ses valeurs. S'il y a des gens qui pensent que pour s'enrichir, il n'y a pas un autre moyen que de voler, bon, on leur donne un espace pour qu'ils expérimentent ça. S'il y a des gens qui pensent qu'au lieu de discuter autour d'un plateau comme nous le faisons maintenant, mieux vaut sortir un pistolet et péter la cervelle à l'autre, on leur donne un espace. Qu'ils expérimentent ça. D'accord, on a compris. Voilà. Maître Padaré, pourquoi pas expérimenter le fédéralisme aujourd'hui? Le fédéralisme à la Béral. Mais c'est dire que le Tchad n'existera plus. Comment ça? Moi, je tiens au Tchad. Le Tchad existera. Je tiens au Tchad. Je suis fier. Moi aussi, je tiens au Tchad. Vous n'avez pas la parole. Vous tenez à un certain Tchad. Pas au Tchad. Au Tchad, si. Non, vous tenez à un certain Tchad. Je tiens à un autre Tchad. Pas le vôtre. Votre Tchad actuel, non. Ce que je veux dire. Votre Tchad actuel, je n'y tiens pas. Ce Tchad actuel-là. Oui, ça, Dieu merci, on peut l'enterrer demain. Je pense que ce Tchad actuel-là. Je peux l'enterrer demain. Je peux dire sans risque de me tromper que vous lui devez beaucoup. Et tant mieux d'ailleurs. Parce que ce Tchad vous a fait et vous êtes en train de lui rendre. Pour moi, ce que vous dites, en fait, heureusement que ça reste au niveau du débat. Mais la voie que vous êtes en train de vouloir proposer, heureusement que le peuple tchadien n'acceptera jamais ça. Comment vous pouvez dire qu'il y a une culture qui aime le vol? Mais pourquoi Pourquoi vous avez peur de poser la question au peuple? Si vous êtes si sûr que le peuple tchadien ne va pas accepter, pourquoi vous refusez de lui poser la question? Vous savez, mon cher petit frère, conseiller Béral, le Tchad est un pays où 90% au moins des gens sont des croyants. Ah bon? Ils ont la crainte de Dieu. Oui, ils prétendent. Oui, ils prétendent. Ils ont la crainte. Et donc, moi, je pense que vous ne pouvez pas croire que parce qu'il y a des individus dans telle communauté qui volent, qui ont eu à voler, qu'on va dire que leur culture, c'est la culture de vol. Je ne parle pas d'individus. Vous ne pouvez pas dire. Je ne parle pas d'individus. Je parle d'anthropologie. Mais je parle d'anthropologie. Vous pensez que le prix du sang, vous pensez que dans quelle culture au Tchad, il n'y en avait pas? Mais on a tous évolué. Non, chez moi, il n'y en a pas. On a tous. Oui, si, il y en avait. Chez moi, il n'y en a pas. La vengeance, est dans la Bible, là, on dit œil pour œil. Moi, ma culture ne vient pas de la Bible. Oui. La culture, la Bible est importée. D'accord. Nous sommes d'accord. Chez moi, il n'y en a pas. Maître Padaré. Chez moi, il n'y en a pas. Si que vous ne connaissez pas ça. Maître Padaré. Vous ne connaissez pas votre propre culture. Je connais. Oui, maître, très bien. Chez moi, le sang est banni. Moi, je sais que. Chez moi, on ne tue pas. Chez moi, mais c'est-à-dire qu'une personne. Chez moi, on ne tue pas pour se distraire. Mais justement, une personne normalement constituée. Monsieur Béral, une personne normalement constituée ne tue pas. Quand quelqu'un tue, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Voilà. Soit du point de vue. Alors, donc, on ne peut pas mettre tout ça sur le dos de sa culture, non, de sa communauté. Quand c'est prescrit comme culture. La vendetta est une culture dans certaines communautés, dans votre pays. Non, vous n'allez pas nier ça. Mais vous êtes en train de. Maître Padaré, vous ne pouvez pas refuser de considérer anthropologiquement.
vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il est en train de nier. Non, s'il vous plaît. Non, Maître Padaré est en train de nier l'histoire. C'est pas possible. Je me demande si vous connaissez, vous maîtrisez l'histoire du Tchad. Oui. Est-ce qu'on peut arrêter un peu? Franchement. Est-ce qu'on peut arrêter un peu? Non. Il va falloir que vous la lisez. Maître Padaré, j'ai une question pour l'histoire du Tchad. Et même un peu plus. Est-ce que on peut pas dire en 60 ans le système unitaire fortement décentralisé ou le système unitaire décentralisé a échoué? Moi, je veux dire. Mais non, mais vous. Est-ce qu'on a expérimenté la décentralisation? La réponse est non. On est parti d'un État fort qu'on a hérité de la colonisation, l'État fortement centralisé, où tout se décide à N'Djamena, ou bien à la capitale, d'abord à Fornami et ensuite à N'Djamena. En 1996, les gens ont voulu mettre en place la décentralisation. Cette décentralisation, il fallait des moyens. De 1996 jusqu'à 2011, c'est à partir de 2011 qu'on a essayé d'expérimenter la décentralisation. Il y a eu des conseillers allemands, français qui étaient... Il y avait même des ministères de la décentralisation qui étaient là, qui conseillaient qu'est-ce qu'il faut faire. Il fallait copier quoi? Le modèle allemand? Est-ce qu'il faut copier le modèle suisse? Est-ce qu'il faut copier... Donc, en 2011, avec les élections... communal. On a eu à le faire communal, sauf que on n'a pas modifié les choses. On a fait élire des maires. Les maires qui collectent des droits et taxes dans leur commune, ils sont obligés de déposer au trésor public ce qu'on appelle l'unicité de caisse. De telle manière, bien évidemment, rien ne peut avancer. Et on comprend, moi je dis, arrivé à un certain moment, on peut comprendre les raisons qui poussent les gens à vouloir de l'État fédéral. Mais en fait, il se pose de fausses questions. Ce n'est pas du fédéralisme qu'il faut. Il nous faut de la décentralisation réelle, de façon à ce qu'il y ait des élections au niveau de province, au niveau de commune, qu'il y ait une assemblée provinciale, qu'il y ait une assemblée conseil communal, et que l'État mette véritablement des moyens pour développer les provinces. Et que tout ne se décide plus à N'Djamena. Que quand un enseignant qui est à Moundou ne se lève, ne vienne pas forcément à N'Djamena pour voir suivre son avancement. Il faut que les choses soient véritablement décentralisées, ainsi de suite. Et on va voir. Mais eux, Béral, ils partent. Quand Béral part du principe qu'il y a des cultures, je vais finir, Béral, s'il vous plaît. Quand Béral part pour justifier qu'il faut mettre le voleur ensemble. Oui, il faut. Il y a des cultures qui aiment le vol. On les met ensemble, comme ça, ils vont se voler entre eux. Après, quand ils n'auront plus à voler, mais vous pensez quoi? Ils vont aller voler là où les gens ne volent pas. Et vous allez faire comment pour les empêcher d'y aller? Quand vous dites qu'il y a des cultures qui aiment la vendetta, effectivement, puisque ce n'est qu'un État fédéral, ben, vous ne l'empêcherez pas de venir se cacher dans un État où il n'y a pas de vendetta, et les autres, vous pensez, ils vont s'arrêter dans l'État fédéré où il n'y a que le vendetta, ils vont le poursuivre jusque-là. Et quand vous allez vouloir le protéger, ça deviendrait quoi? Donc, ce n'est pas ça qui va faire du Tchad un État viable. Cher frère, il faut poser des vrais problèmes. Conseiller Béral, est-ce que le fédéralisme tel que vous prenez, oui. Est-ce que ce n'est pas d'abord dans un premier temps une boîte à Pandore que vous voulez ouvrir? Ah non. Et ma deuxième question, c'est de savoir, est-ce que l'État unitaire, que ce soit fortement décentralisé ou pas, n'a pas échoué? Ça n'existe nulle part. Ça n'existe pas. L'État c'est fortement décentralisé. Au moins sur ça, on est d'accord. Par abus de langage, on peut dire fortement, c'est-à-dire réellement décentralisé. Est-ce que l'État unitaire n'a pas échoué depuis les 60 ans d'expérience? Oui, l'État unitaire, c'est ce qu'on a expérimenté depuis toujours et ça a échoué. Mais ça a échoué pour quelles raisons? Ce n'est pas pour les raisons que Maître Padaré dit. Moi, comme vous venez de le dire, contrairement à beaucoup de fédéralistes, à leur majorité d'ailleurs, qui développent des arguments économiques pour soutenir le fédéralisme, moi je ne suis pas dans cette logique. Moi je suis ouvertement pour un fédéralisme d'obédience culturaliste. Voilà. Pourquoi est-ce que l'État unitaire n'a jamais fonctionné? C'est parce que nous sommes gouvernés par des gens qui sont extraits d'une culture qui ne se convient jamais à la démocratie. Il faut qu'on soit clair. Quand vous parlez de république, c'est-à-dire la chose publique qui appartient à tout le monde, il faudrait que les richesses soient équitablement partagées. Oui. Les compétences,
que les gens soient promus selon leur capacité à faire ceci ou cela. Il y a des gens dans la tête de qui ça n'entre jamais. Sinon, comment pouvez-vous comprendre qu'au 21e siècle... Mais ça, c'est déjà qu'il faut appliquer juste les textes juridiques, non, les lois. Non, 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 ça ne suffira pas. Parce que celles et ceux qui sont chargés... Est-ce que vous êtes d'accord, Maître Padaré, que ça ne suffit pas? Mais il faut que je termine avant que vous ne donniez la parole à l'autre côté. Sinon, ça ne marche pas. Je n'ai pas développé ma pensée jusqu'au bout. En fait, c'est Béral qui dirige Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je revendique juste mon droit d'aller jusqu'au bout de mes pensées. Oui, il n'a plus de droit. Voilà. Parce que, apparemment, donc, je n'abuse d'aucun droit. Si on a un chronométré, je pense que vous n'abuse d'aucun droit. Je n'abuse d'aucun droit. Bon, mais Casala, tu vous laisses finir. Allez-y, rapidement, en une minute. Je n'abuse d'aucun droit. D'accord. Ce que je voudrais dire, c'est simplement qu'il y a des personnes qui sont culturellement incapable de s'adapter à la démocratie. Qu'on se le dise. Quand une personne tape dans les caisses de l'État et qu'elle estime que c'est complètement inimaginable qu'on puisse lui reprocher ça. Lorsque des personnes, comme Maître Padaré, je l'ai entendu sur un plateau d'un organe de la place, où quelqu'un était en train de dénoncer des analphabètes qui sont nommés comme gouverneur, préfet et autres, il dit ceux-là aussi c'est des Tchadiens. Comme s'il suffit d'être Tchadien pour assumer des fonctions, il nie même le principe de compétence. Il trouve tout à fait normal. Qu'on prenne un abruti, ça n'est simplement. Vous avez soulevé un point. Le principe de compétence. Comment vous évaluez la compétence? Il faut être docteur en philosophie pour dire qu'on est compétent? Pour être compétent, la règle est très simple. Ouais. Lorsque vous prenez un domaine comme l'administration du territoire, oui, il y a des gens qui sont formés pour ça. Oui. Ok, oui. Et la base au moins de la compétence, l'abécédaire de la compétence, c'est dans un État républicain moderne, c'est au moins d'être alphabétisé. Oui. Au moins ça. Alphabétisé en quoi? Alphabétisé. Oui, mais ça peut être en arabe comme en français. Oui. Oui. Nous avons deux langues officielles. Oui. Vous utilisez l'arabe de chez nous pour nous pomper des analphabètes. Des gens qui ne savent pas lire en arabe. Vous appelez ça des arabophones. Mais vous savez pourquoi? Et ça, vous les appelez analphabètes. Vous les appelez analphabétisés. Des gens qui sont capables de communiquer avec les autres. Maître Padaré, oui. Vous êtes en train de défendre l'indéfendable. Je ne défends pas l'indéfendable. Et je vous en supplie. Je ne défends pas l'indéfendable. Je comprends pourquoi vous le faites. Ça, c'est pour votre intérêt individuel. Non, S'il vous plaît, pensez à votre pays. Je pense effectivement à mon pays. Êtes-vous en train de m'expliquer? C'est parce que je pense à mon pays que je refuse. Êtes-vous en train de m'expliquer? Êtes-vous en train de m'expliquer qu'il est tout à fait normal de pomper à la tête d'unités administratives des personnes ne sachant ni lire ni écrire dans aucune langue? Vous êtes en train de défendre ça. Okay. Vous en avez? Vous êtes en train de défendre ça. Vous en avez? J'en ai. À la pelle. Et vous-même, vous en avez. Vous me citez un nom? Vous-même, vous en avez. Je ne citerai jamais de nom. Bon, alors, parce que je pense à l'État. Je ne pense pas aux individus. Écoutez, chers amis, je pense à l'État. Et chacun de nous autour de cette table, autant que celles et ceux qui sont en train de nous suivre, ont affaire tous les jours à des prétendus fonctionnaires ne sachant ni lire ni écrire dans aucune de nos langues officielles. Vous savez qu'il y en a qui savent tellement bien. Ce que vous êtes en train de défendre, Maître Padaré, conseiller Béral, vous reviendra au visage. Conseiller Béral, oui. Conseiller Béral, Maître Padaré, vous n'avez pas le monopole de l'intellect et ni de la probité. Attendez que je finisse. Je n'ai aucun monopole. Je pense que les Tchadiens, et je réitère, je suis en train d'exiger l'application des textes. Les Tchadiens sont amenés, chacun, qu'il soit intellectuel, qu'il soit analphabète. On doit le nommer partout. Ils doivent servir leur pays. Très bien. Donc on peut prendre des charcutiers pour être chirurgien. Un boucher peut être nommé chirurgien. C'est pas grave. S'il vous plaît. Un boucher peut être chirurgien. Répondez à ma question. Est-ce qu'un boucher peut être chirurgien? Est-ce que vous vous entendez parler? Si. Vous vous entendez parler? Conseiller Béral, vous n'avez pas la parole. Moi qui vous entends, moi qui suis en face de vous, je vous entends pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les Tchadiens sont appelés à servir leur pays. Vous personnalisez
vous stigmatisez des communautés et je suis un peu surpris. Les analphabètes ne sont pas une communauté. Je suis surpris. Les analphabètes ne sont pas une communauté. Je suis surpris. Est-ce que être analphabète, ce n'est pas une communauté. Le principe d'un débat, c'est de laisser... Les analphabètes, ce n'est pas une communauté. Je dis, s'il vous plaît, quand vous avez parlé, s'il vous plaît, Maître Padaré, s'il vous plaît, je ne parle pas des analphabètes. Je parle de manière générale. Il y a des analphabètes dans toutes les sociétés. Je dis, je parle de manière générale. Quand vous stigmatisez toutes des communautés... Je stigmatise parce les analphabètes parce alors que vous voulez célébrer. Non, ce n'est pas, je ne parle pas vous, de... vous êtes plus patriote que moi parce que vous célébrez les analphabètes. Je n'ai pas cette prétention alors. De vous juger. Je n'ai pas cette prétention. Répondez à cette question simple. Au nom du patriotisme, les analphabètes ont le droit d'être gouverneurs. Ils ont le droit de servir leur pays. D'être gouverneur aussi. Je dis, ils ont le droit de servir leur pays. Oui, y compris d'être gouverneur. Je dis simplement, ils ont le droit de servir leur pays. Est-ce qu'y compris être gouverneur, où ils pourront le faire? Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de cette émission. Donc maintenant, on comprend votre position. Vous êtes contre la méritocratie. Vous êtes pour la kakistocratie. Vous pouvez faire la lecture que vous voulez. Conseiller Béral, merci d'être sur ce plateau. Vous refusez de condamner la nomination des analphabètes à la tête des unités administratives. Conseiller Béral, merci d'être sur ce plateau. Tchadien a le droit de servir son pays. Analphabète ou pas. Y compris être analphabète. Chers téléspectateurs, bonne suite de programme. Sur ce, on peut encore faire appel à vous parce qu'il nous reste encore le référendum qui est prévu pour le mois de novembre, c'est ça, non? Il est déjà volé. Mais nous y reviendrons. Et bonne suite de programme sur la télévision Tchad Info.